Par la superficie, l'Argentine est le deuxième pays d'Amérique du Sud, 5 fois plus grand que la France. Sa forme allongée s'étire sur 3800 km entre le tropique du Capricorne et la Terre de Feu. Parce qu'elle se trouve à l'extrémité sud du continent américain, l'Argentine fut la dernière terre à être occupée par les Amérindiens qui étaient venus d'Asie par le nord. C'est le pays d'Amérique latine où les Amérindiens ont été les moins nombreux. Ils furent exterminés par les Espagnols dès le début du XVIe siècle car ils ne présentaient aucune utilité pour les conquérants. Le général San Martín conduira l'Argentine à l'indépendance en 1816, mais la maturité politique tardera longtemps à venir. Par son charisme, Eva Perón entrera dans la légende d'un pays immense adossé à la cordillère des Andes, limité par l'Atlantique et largement ouvert au ciel de la Pampa. L'allure des gauchos et les pas du tango ont donné au tempérament argentin toute sa fierté, celle d'une population jeune et très scolarisée. Un territoire démesuré a fait de l'Argentine un important pays agricole. Grâce aux exportations, l'agriculture est la principale source de devises. Les richesses du sous-sol sont tout aussi abondantes. L'exploitation du pétrole couvre en partie les besoins du pays. Malgré ces ressources, la situation économique connaît régulièrement des passages difficiles. Mais l'Argentine mise beaucoup sur la modernisation de ses infrastructures. Le long du Rio de la Plata et à la limite nord de l'actuelle côte argentine, les marins espagnols accostèrent en remerciant Sainte-Marie des bons vents. C'est l'origine du nom Buenos Aires. La capitale est, après Mexico, la deuxième ville hispanophone au monde. Les artères rectilignes simplifient l'orientation. Ce dispositif géométrique a été prévu par Charles Quint, soucieux d'organiser son empire avec rigueur. Un obélisque a été érigé pour le 400e anniversaire de la ville. Sur l'avenue du 9 juillet, une légende nationale domine l'asphalte avec 5 titres de champion du monde. L'avenue du 9 juillet, une des artères les plus larges du monde. Buenos Aires compte peu de vestiges de l'époque espagnole. Le théâtre dédié à Christophe Colomb a été construit par des architectes français et italiens. La ville s'impose en concentrant les 3/4 des richesses nationales et en rassemblant 13 millions d'habitants, près du tiers de la population du pays. À l'image de la Playa de Mayo, Buenos Aires soigne son apparence jusque dans ses espaces verts qu'elle protège jalousement. La Casa Rosada, la Maison Rose, est le siège du gouvernement argentin. Elle doit sa teinte pastel au compromis trouvé entre les couleurs de 2 partis politiques rivaux, le rouge et le bleu pâle. Les grenadiers qui montent la garde témoignent de la place importante occupée par l'armée dans l'histoire politique du pays. Leurs uniformes s'inspirent de ceux que portaient les soldats engagés aux côtés du père de l'unité nationale, le général San Martín, inhumé dans la cathédrale. À la tête d'une armée insurgée et comme d'autres grands noms de la révolution sud-américaine, San Martín a bien mérité la reconnaissance dont il jouit aujourd'hui. Il chassa l'occupant espagnol d'Argentine, mais aussi du Pérou. Le général refusera d'entrer dans le jeu politique et mourra expatrié en France. Buenos Aires est la plus récente des métropoles sud-américaines. Le premier gratte-ciel d'Amérique latine, le Cavanagh, y fut construit en 1936. À l'image des autres villes américaines, la capitale argentine s'est développée en hauteur, ce qui est curieux car elle s'étend sur un vaste territoire parfaitement plane de 3800 km². Sans doute faut-il y voir les traces de sa croissance démographique rapide. En moins d'un siècle, la population du centre-ville a doublé. Le visage de Buenos Aires présente d'étonnantes ressemblances avec celui des capitales européennes. 85% des Argentins trouvent leurs origines dans le vieux continent. On les surnomme porteños, en espagnol ceux du port,
en souvenir de l'endroit où un grand nombre de leurs ancêtres ont débarqué. Un proverbe local prétend que les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas et les Argentins descendent du bateau. Grâce à une situation privilégiée sur l'Atlantique austral, le pays est tourné vers l'extérieur depuis sa fondation. L'avion est ici un moyen de transport incontournable en raison des distances. Mais c'est le port de Buenos Aires, créé bien avant le XVIe siècle, qui est le témoin historique de l'ouverture naturelle de l'Argentine. Près du port fluvial, le quartier de la Boca porte haut la marque des premiers immigrants d'origine méditerranéenne. En raison des caprices du fleuve, l'habitat est resté sommaire, fait de bois et de tôles ondulées. Dans les années 1930, la folie des couleurs s'empara d'une partie du quartier pour oublier le gris de la misère. Le tango est né ici, dans la deuxième moitié du 19e siècle, dansé à l'origine par des hommes expatriés en mal d'affection. Alfredo Di Marco est depuis toujours professeur de tango. Le tango, pour le peuple argentin, et même pour la jeune génération, c'est avant tout un sentiment très fort. Je crois que c'est l'unique danse qui permet de mieux se connaître. Le tango, c'est la force, l'esthétique, le rythme et bien d'autres choses. Le tango ne se perdra jamais, parce que c'est la jeunesse, c'est notre musique. À San Telmo, un autre quartier populaire et animé, se mélangent tous les rythmes sud-américains. Ce quartier, jadis huppé, fut déserté à la suite d'une épidémie de fièvre jaune. Aujourd'hui, l'ambiance guindée d'antan a disparu. L'atmosphère est bon enfant et même les statues ont perdu leur rigidité. Business is business. L'expression corporelle peut être un excellent fonds de commerce. Encore faut-il bien s'entendre sur les tarifs. San Telmo doit une bonne part de son effervescence à une forte concentration de brocanteurs et d'antiquaires, en particulier sur la place Dorrego. Ici, on remonte le temps et on voyage à bon compte. Les ruelles de San Telmo baignent aussi dans l'ambiance du tango. À se laisser subjuguer par les démonstrations de cette danse, on comprend qu'elle fut interdite par l'Église catholique au début du XXe siècle. Sur un rythme lent, à deux temps, les pas se succèdent et surtout se mélangent. En incluant la périphérie, Buenos Aires forme une vaste mégapole où les niveaux de vie sont très contrastés. L'espace résidentiel de la capitale déborde largement sur le delta du fleuve Paraná. À partir du Rio de la Plata, le Paraná mène vers le nord en direction du Paraguay. Le nord de l'Argentine jouxte cinq autres pays, le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay. Dans cette région tropicale, les cours d'eau servent souvent de frontière. C'est le cas du Rio Iguaçu, qui sépare l'Argentine du Brésil. À l'endroit où l'Iguaçu se jette dans le Paraná,
Le Paraguay, le Brésil et l'Argentine se rencontrent. Il faut remonter la rivière sur 20 km pour atteindre les chutes de l'Iguassu. Elle compte parmi les cataractes les plus spectaculaires au monde, avec celle du Niagara et celle du Zambèze. Mais contrairement à ces deux dernières, les chutes de l'Iguassu s'étirent sur un front très large qui atteint près de 3 km. D'une hauteur de 80 mètres, l'eau se jette dans le vide laissé par une faille géologique en empruntant de multiples parcours. Malgré la difficulté d'accès, le site a été découvert dès le milieu du XVIe siècle par les Espagnols, pour retomber ensuite dans l'oubli. En 1984, l'UNESCO a classé les chutes de l'Iguassu au patrimoine mondial naturel de l'humanité. Dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière bolivienne, la vallée de Humahuaca ouvre, à 3000 mètres d'altitude, une faille profonde dans les premiers contreforts de la cordillère des Andes. C'est le domaine de la Puna, un écosystème particulier marqué par la sécheresse et les grandes amplitudes thermiques. En dépit des conditions extrêmes, la terre n'y est pas trop ingrate. Parmi les maisons en adobe et les quelques vestiges de la présence espagnole, datés ici du XVIIe siècle, vivent les descendants d'Indiens Quechua, un peuple jadis dominé par les Incas. Ils sont d'origine asiatique et leur morphologie était adaptée à la montagne. Fondue dans le paysage, à Tilcara, une forteresse précolombienne. Ici, on dit, une pucara a été soigneusement restaurée par les archéologues de Buenos Aires. Les bâtiments de pierre témoignent du savoir-faire et de l'organisation des Indiens Quechua avant l'arrivée au pouvoir des Incas. Ces derniers se contenteront d'améliorer la taille et l'agencement des blocs. À proximité de Tilcara, le tropique du Capricorne tire un trait imaginaire sur une région dont les formes ondulent sous l'effet de la chaleur. De toute l'Argentine, le nord-ouest est la zone la plus sèche et la plus aride. Les tornades de poussière s'y élèvent sans obstacle. La vigogne, le plus petit des camélidés, a élu domicile sur ces maigres étendues. Ses cousins, le lama et l'alpaga, ont été domestiqués, mais la vigogne est restée sauvage. Cet animal, aujourd'hui protégé, a longtemps été chassé pour sa fourrure d'une infinie douceur. Le nord-ouest est couvert de nombreuses salines. Les plus vastes peuvent s'étirer sur une cinquantaine de kilomètres. Le sel y est exploité depuis des siècles. À près de 1200 mètres d'altitude, la ville de Salta occupe une position privilégiée sur la route Lima-Buenos Aires qui lui a valu sa fortune. Sous la protection de Saint Bernard, la localité adopte le plan quadrillé classique des cités argentines, mais entre toutes, Salta est assurément celle qui a conservé le plus riche patrimoine de l'époque coloniale.
La cathédrale a été construite au 19e siècle pour les 300 ans de la ville, fondée par un aristocrate, ministre du roi d'Espagne. Toutes les caractéristiques de l'architecture espagnole du 16e siècle s'y retrouvent, notamment les élégants balcons de bois ouvragés. La restauration scrupuleuse des monuments historiques a élevé la ville de Salta au niveau d'un véritable musée urbanistique. Dans sa luxuriance baroque, l'église dédiée à Saint François contraste avec la pauvreté du fondateur de l'ordre franciscain. Derrière ces murs d'adobe peints en blanc, le couvent San Bernardo est protégé par une imposante porte de bois du XVIIIe siècle. Aussi riche soit-il, le passé de Salta n'empêche pas la ville de se tourner vers l'avenir. Ses habitants composent un échantillon représentatif de la population nationale. Et quand on apprend que les moins de 14 ans représentent environ 30% de la population, on imagine que la relève est assurée. La ville de Salta contribua à l'indépendance en levant une armée de gauchos pour lutter contre les Espagnols. Ces fameux cavaliers étaient à l'origine des métis marginalisés par la société. Sans leur monture amenée par les Espagnols, les gauchos n'existeraient pas. Chez eux, la valeur d'un homme se mesure à ses qualités de cavalier. Aujourd'hui, les gauchos ont cédé une bonne part de leur liberté pour devenir de simples salariés au service de grandes propriétés. Il leur reste la fierté de l'allure et la noblesse du regard, l'expérience d'authentiques cowboys et une tenue vestimentaire inimitable chargée de les protéger dans leur cavalcade. Ramiro Racciopui est né gaucho. Le mot gaucho est synonyme de noblesse et de courage. Dans notre région de Salta, le gaucho est un homme qui vit pour et par sa terre. Il passe ses journées à travailler, à s'occuper des animaux. C'est à la fois le médecin, le père et le fils de tout ce qui vit dans l'hacienda et sur l'ensemble de la propriété. C'est bien sûr avant tout un travail de terrain, difficile, car il faut sans arrêt prendre soin des bêtes. Les gauchos appartiennent à l'imaginaire collectif argentin, et même depuis l'introduction du cheval vapeur, leur sens de l'honneur et leur amour de la liberté sont toujours vivaces. Au sud de Salta, le Rio Calchaquí donne son nom à une succession de vallées creusées dans la roche rouge. L'érosion torture le paysage en lui infligeant de profondes blessures. Exemple, la gorge du diable. Dans cet environnement minéral inhospitalier, les arbres sont rares. La couche de terre arable est en effet lessivée par la moindre pluie et désagrégée par le vent. Les Indiens Quilmes ont longtemps résisté aux Espagnols dans leur ultime refuge, une cité aujourd'hui en ruine, édifiée à partir d'un plan très complexe. C'est tout ce qui subsiste d'une civilisation très avancée, implantée dans la vallée au 9e siècle de notre ère et complètement rayée de la carte par les colonisateurs.
Le lac artificiel de la Angostura forme un précieux réservoir d'eau dans une région qui en manque souvent. Sur les coteaux, au-dessus du lac, une série de menhirs taillés dans le granit ont été regroupés. Leurs motifs énigmatiques sont attribués aux Indiens Tafi, et les plus anciens d'entre eux pourraient remonter au 9e siècle avant Jésus-Christ. Les brumes, insistantes, accentuent encore le mystère des lieux. L'humidité qui règne dans la région de Tucumán favorise une forêt subtropicale exubérante en opposition avec les steppes désertiques de la moyenne montagne. L'altitude est plus basse et les pluies viennent gonfler les cours d'eau. Toujours plus au sud, la ville de Catamarca s'étale sur un vaste plateau au pied de la cordillère des Andes. Elle est bordée d'une multitude de vallées au profil adouci par un vert quasi irlandais. Lorsqu'on prend de la hauteur, l'horizon se dérobe derrière le massif de la cordillère. Plus loin, surgissent des falaises aux allures de murailles. Il faut les contourner, ou être oiseau, pour les franchir, et pénétrer dans le parc de Talampaya, qui soutient aisément la comparaison avec les hauts lieux de l'Arizona ou de l'Utah. L'érosion implacable a divisé la matière en blocs plus ou moins compacts, sous l'action combinée du vent et du soleil ardent. La température peut atteindre 45 degrés à l'ombre quand on en trouve. La nature a accompli ici un fantastique travail géométrique en suivant un improbable fil à plomb. Il faut ajouter l'œuvre des Indiens qui ont pratiqué dans la roche des trous circulaires. Comment et pourquoi ? Personne ne sait vraiment, même si le parc est conservé par des spécialistes. Sergio Arias. Nous sommes devant les principales falaises du parc de Talampaya, dont la partie supérieure est constituée d'une pierre noire, en fait, du dioxyde de manganèse. Avec l'érosion, ces blocs de pierre sont tombés au bas des falaises. Et les aborigènes se sont aperçus qu'ils pouvaient y graver des dessins, des pétroglyphes. Car ce type de pierre ne subit pas l'érosion du vent. Ces dessins sont donc encore là pour des milliers d'années. Pour mesurer l'ampleur du travail de l'érosion, rien ne remplace l'échelle humaine. À 80 km au sud-est du parc de Talampaya, la vallée de la Lune recèle une grande valeur scientifique. Le climat désertique ne tolère que la présence d'espèces parfaitement adaptées à ce milieu hostile, comme de petits renards, dont les oreilles démesurées détectent le moindre mouvement. D'autres espèces, comme celle qu'on appelle ici la mara, le lièvre de Patagonie, sont plus insolites. Les guanacos sont avec les vigognes les seuls cousins du lama à être restés sauvages. Ils adorent batifoler en groupe, pendant que l'un d'entre eux, perché sur un monticule, surveille les parages. Les dangers sont rares, mais
il y a environ 200 millions d'années, la région grouillait de grands reptiles et dinosaures de toutes tailles qui vivaient au milieu d'une épaisse végétation. Le site de la vallée de la Lune est un des plus riches au monde pour ses fossiles. En sculptant une tête de chat ou la forme d'un champignon, l'érosion a laissé libre cours à sa fantaisie. Des terrains de boules inattendus et mille autres formations rocheuses aux formes imaginatives résultent du soulèvement des Andes qui entraîna un brusque changement climatique fatal à la flore et à la faune. En prenant un peu de recul au-dessus de la vallée Pintado, la vallée peinte, les couches successives révèlent différentes couleurs selon la nature des minéraux et des sédiments. En langue quechua, vallée de la Lune se dit terre sans vie. Mais la vie n'a pas toujours été absente. Il en reste des traces parfois conservées par les roches, et on la cherche exactement comme sur ces planètes lointaines où l'on pense qu'elle a pu exister il y a des millions d'années. Le centre de l'Argentine est occupé par une plaine immense, la Pampa, qui couvre une surface deux fois plus grande que l'Italie. Grâce à cette vaste terre uniforme, l'agriculture assure une bonne partie des exportations nationales et l'élevage y contribue largement. La Pampa alimente aussi la légende vivante des gauchos. L'Argentine tient le cinquième rang mondial parmi les producteurs de bovins et de chevaux. La qualité de sa viande de bœuf est réputée dans le monde entier. Les gauchos, ceinturés de cuir et de pièces de monnaie, la préparent grillée sur la parrilla, en proposant des rations qui laissent incrédules les appétits européens. À la limite nord de la Pampa, la ville de Córdoba est la deuxième du pays. Elle constitue une vraie plaque tournante et, à plus d'un titre, rivalise avec Buenos Aires, beaucoup plus excentrée. Parmi les jacarandas en fleurs, l'inévitable statue de San Martín rappelle le rôle joué par la ville dans la lutte pour l'indépendance. La cathédrale émerge en droite ligne de l'époque espagnole, marquée à la fin du XVIe siècle par l'arrivée des jésuites qui firent de la cité une tête de pont pour leur mission. Le patrimoine religieux porte l'empreinte de la Compagnie de Jésus, même si d'autres ordres les ont rejoints, comme en témoigne l'église des Capucins. Spécialistes de l'enseignement, les jésuites fondèrent à Córdoba la première université du pays, la deuxième d'Amérique latine après celle de Lima, au Pérou. Aujourd'hui, Córdoba ne compte pas moins de 6 universités qui lui valent son surnom de ville docte, ville savante. Pour consolider leur présence et asseoir leur influence autour de Córdoba, les jésuites ont créé des estancias, comme celle d'Altagracia. Le but de ces établissements était de susciter des vocations, bien sûr, mais surtout d'assurer à l'ordre des revenus confortables et subvenir aux besoins des institutions établies en ville. L'estancia jésuite, avant tout une exploitation agricole, révèle l'organisation pragmatique et quasi militaire de la Compagnie de Jésus.
au sud-ouest de Córdoba et à quelques coups d'aile de Santiago du Chili, la ville de Mendoza apparaît, sous des abords très rigoureux, comme une véritable oasis de verdure au milieu du désert. Les bâtiments où siègent les instances gouvernementales de la province de Mendoza rappellent que l'Argentine est une république fédérale. Établie sur une terre aride, Mendoza doit son existence à un fantastique réseau d'irrigation. Pour alimenter la ville en eau et arroser la verdure, 500 km de canaux la parcourent. Les petites secousses sismiques ne sont pas rares, car Mendoza se trouve sur une zone instable de l'écorce terrestre. Sur les azuleros, ces mosaïques à l'andalouse, les références au passé colonial et à la culture hispanique sont récentes, car un tremblement de terre a détruit la ville en 1861, faisant disparaître le tiers de la population. Les ruines de l'église San Francisco sont conservées à la mémoire des victimes. C'est de Mendoza que partit le général San Martín à la tête de l'armée qui conquit l'indépendance. Son nom a été donné au plus grand parc de la ville, doté d'un lac artificiel. Au pied de la cordillère des Andes, une zone connue pour son aridité, la ville de Mendoza a réussi à faire pousser une végétation étonnante. Tout cela laisse rêveur. Du coup, la cité se donne des grands airs et sans complexe imite le roi Louis XIV en dupliquant les chevaux de son château à Marly. Les citoyens de Mendoza en tirent une gloire bien légitime. Autour de Mendoza, un faible pourcentage des sols est exploité. La vigne occupe la moitié de l'espace pour fournir la plus grande partie de la production nationale. Ce qui est loin d'être symbolique quand on sait que l'Argentine est le quatrième producteur mondial de vin, après la France, l'Italie et l'Espagne. Ces deux derniers pays ne sont d'ailleurs pas étrangers au développement de cette activité, puisque les colons espagnols et les émigrants italiens ont déployé tous leurs talents dans les bodegas, les exploitations viticoles locales. Les appellations contrôlées sont tellement nombreuses qu'elles font tourner la tête bien avant que l'on y goûte. Nora de Furrer est responsable d'une bodega. Les provinces qui produisent du vin sont surtout celles de Mendoza et de San Juan. À Mendoza, on produit le vin le plus renommé du pays, le Malbec, grâce à des terres d'excellente qualité. Les différentes variétés de vin rouge sont le Cabernet, le Malbec, le Bonarda et le Sirac. En cru de vin blanc, nous avons le Chenin, le Torontés, le Tokaj et le Chardonnay. En remontant le Rio Mendoza, on se rapproche de la cordillère des Andes. La fonte des neiges gonfle le débit d'une eau chargée d'alluvions et au remous apprécié par les rafteurs en quête de sensations. La cordillère des Andes est pour sa hauteur la deuxième chaîne de montagnes au monde après l'Himalaya. Mais pour sa longueur, elle est la première, car elle s'étire sur plus de 8000 km, 8 fois plus que les Alpes. À 160 km à l'ouest de Mendoza, l'arche du pont de l'Inca est couverte de dépôts minéraux qui renforcent sa structure.
L'eau est ici chargée en sel et en soufre. Une avalanche a ruiné tout espoir d'exploiter l'eau minérale en détruisant une station thermale construite dans les années 1940. Cet endroit marque la limite extrême atteinte vers le sud par l'Empire Inca. Le plus haut sommet des Amériques taquine le ciel à près de 7000 mètres d'altitude. L'Aconcagua, baptisée Sentinelle de pierre par les Incas. Cette masse montagneuse, dont l'ascension ne comporte pas d'insurmontables difficultés techniques, a été vaincue la première fois par un alpiniste suisse à la fin du 19e siècle. Au sud, l'Argentine se rétrécit, mais elle ne perd pas sa grandeur pour autant. À hauteur de la péninsule de Valdés, une contrée plus grande que la France s'ouvre à l'infini, balayée par un vent sec et froid venu de l'Antarctique. La Patagonie. Celle-ci couvre à elle seule un tiers du territoire argentin, mais on n'y recense même pas un habitant au kilomètre carré. En dehors des animaux d'élevage, la Patagonie abrite une faune caractéristique qui apprécie les espaces illimités, comme le guanaco et aussi le nandou, un oiseau coureur proche de l'autruche. Les ressources de la Patagonie ne sont pas faciles à exploiter en raison notamment des distances. C'est pourtant l'implantation d'une usine d'aluminium qui a permis le développement de Puerto Madryn. Fondée au 19e siècle par des émigrés gallois, la localité est bien à l'abri au fond d'un golfe protégé par la péninsule de Valdés. Sans doute grâce à un courant chaud descendant du Brésil, la péninsule de Valdés est devenue une fabuleuse réserve de vie sauvage. Par dizaines, les éléphants de mer femelles se regroupent, décontractés, sous la surveillance d'un mâle dominateur. Ce mammifère, qui mue une fois l'an, appartient à la même famille que le phoque. Et même si sa peau le démange, il affiche toujours une belle sérénité. Les femelles font souvent cavalier seules, sauf bien entendu pendant la saison des amours. En raison de la différence de gabarit, le mâle est 6 fois plus lourd que la femelle, l'accouplement s'effectue sur le flanc. Les éléphants de mer, du moins les femelles, sont des animaux très paisibles. Après l'effort de la séduction viennent le réconfort et la sérénité retrouvée. Toutes ces émotions fatiguent. C'est à nouveau l'heure de la décontraction. On peut enfin souffler. On tolère même certains visiteurs, comme l'huîtrier, pas du tout complexé. Le loup de mer est aussi appelé lion de mer, en raison de la crinière portée par les mâles. Les loups de mer, selon une légende indienne, étaient à l'origine des hommes qui prirent cette forme pour survivre à une inondation dévastatrice. En réalité, ces mammifères se rapprochent des otaries. Les visiteurs arrivent nombreux dans la péninsule chaque année à la même période pour une attraction de grande envergure. Tamara Sperot est guide. L'un des plus importants centres d'intérêt de la péninsule de Valdés, ce sont les baleines franches australes qui sont présentes dans ces eaux de juin à décembre. Elles fréquentent la côte du Golfo Nuevo et du Golfo San José, au sud et au nord de la péninsule, ni plus ni moins pour se reproduire.
Pendant ces longs mois, elles ne s'alimentent pas et vivent sur les réserves qu'elles ont accumulées le reste de l'année. Après s'être reproduites, elles rejoignent l'Antarctique. Les crustacés parasites qu'elles portent sur le dos sont une particularité de la baleine franche australe. Sa lenteur et l'absence totale d'agressivité rendent la baleine franche australe très vulnérable. Heureusement, l'espèce est aujourd'hui protégée. Au sud de la péninsule de Valdès, dans la réserve de Punta Tombo, les occupants tentent de passer inaperçus. Et pour cause, les manchots de Magellan s'affairent à préparer la nidification. Cet oiseau, incapable de voler, pond des œufs qu'il dissimule dans un terrier creusé par ses soins. La femelle et le mâle couvent à tour de rôle et les protestations du mâle n'y changent rien. Des cris bien virils qui émoustillent les femelles. Après un bon mois de patience, le petit manchot ouvre l'œil et réclame sa première béquée. Il pèse 100 grammes à peine. Il passera 11 semaines dans le giron familial. Le manchot de Magellan peut creuser son nid jusqu'à 1 km de la plage. La marche à palme ne l'effraie pas. Et au signal de la baignade, tout le monde plonge dans la première vague. On reconnaît le manchot de Magellan aux deux bandes noires qui descendent à partir du cou. Quelquefois, pour vérifier qu'il est bien le seul à les porter, il compare son pelage avec celui d'autres animaux. Et il s'en va, rassuré. Plus on se rapproche du sud, et plus le territoire argentin s'amincit, coincé entre l'océan Atlantique et la cordillère des Andes. L'érosion glaciaire et les rigueurs du climat ont nivelé le paysage. Le lac Argentino se trouve d'ailleurs à moins de 200 mètres d'altitude. Il fait partie du parc national des glaciers et baigne la petite ville d'El Calafate. Cette localité a été créée par les pionniers en route vers le sud. Leurs descendants sont toujours là et leurs traits révèlent le métissage avec les populations indiennes. Ces terres sans limite sont parsemées d'exploitations agricoles, les estancias, qui posent des clôtures bien dérisoires sur de tels espaces. Les estancias règnent sur des milliers d'hectares où le cheptel peut circuler. À certains moments de l'année, il faut bien le rassembler. Les moutons se prêtent à la manœuvre, stimulés par des chiens remarquables qui, bien dressés, valent une petite fortune.
Chaque mouton produit environ 4 kilos de laine par an. Ces 4 kilos multipliés par le nombre de moutons argentins font du pays le 5e producteur mondial de laine. En mettant le cap au sud, on constate que rien n'arrête la violence du vent auquel la flore rabougrie tente de résister. Certains résistent aussi sur l'eau, alors que le tatou préfère disparaître. Un vent qui souffle en rafale à 200 km à l'heure, 3400 mètres d'altitude, des verticales insolentes. C'est le Fitzroy, un dur challenge pour alpinistes. Cette partie de la cordillère est très jeune, donc très aiguë. Le village d'El Chalten est écrasé par la masse du Fitzroy et contourné par le glacier Viedma qui alimente un lac aux allures de fjord. Les montagnes, ici, ne sont vieilles que de 65 millions d'années. La tendre jeunesse à l'échelle de la Terre. La cordillère des Andes dissimule dans cette région l'un des plus impressionnants glaciers du monde, le Perito Moreno. Haut de 80 mètres, le front du glacier avance en permanence pour se disloquer et basculer dans le lac par pans entiers. Les glaces progressent à la vitesse de 2 mètres par jour. Avant de fondre lentement, les blocs maintiennent très froide la température du lac. Le glacier se forme et se reforme à 30 km en amont. À cet endroit, les spécialistes estiment que la glace peut atteindre 700 mètres d'épaisseur. Un monstre d'une beauté étrange qui diffuse une lueur bleue. Bleu, la couleur de la glace à l'état pur. Il faut quitter le continent américain et franchir le détroit de Magellan pour gagner la Terre de Feu. Un archipel d'îles partagé entre le Chili et l'Argentine. Ouvert sur la mer, c'est la particularité du parc national de la Terre de Feu par rapport aux autres parcs nationaux du pays. Il s'étend au sud de l'île principale, au cœur d'une nature intacte. Le canal de Beagle porte le nom du bateau affrété par le naturaliste Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Il faut franchir le bras de mer pour atteindre la ville mythique, Ushuaia, la cité la plus australe du monde, à 3000 km au sud de Buenos Aires. En été ici, il fait jour de 5h du matin à minuit. Pour peupler Ushuaia, le bout du monde, les autorités créèrent un bagne au tout début du XXe siècle. Les familles des condamnés étaient censées habiter la région, mais l'opération échoua. Les seuls habitants furent longtemps les bagnards et leurs gardiens. Au bord du canal de Beagle, les moyens de subsistance ne sont pas nombreux. Pourtant, plus de 60 000 personnes habitent Ushuaia, qui dispose d'un réseau de rues pentues, rappelant celle de San Francisco. Le climat peut être moins polaire qu'on ne l'imagine. Et quand le brouillard se lève sur la Terre de Feu, il arrive que la glace fonde et que l'on enlève les cache-nez. Ushuaia n'est pas coupé du monde, car la Terre de Feu est argentine jusqu'au bout.
La braise du tango y couve toujours, malgré le froid de l'Antarctique. L'Argentine est ainsi, fière et multiple, racée et sans limite. Le goût de l'aventure et la foi en l'avenir y dansent bien serré le tango du gaucho.